Donc là, l'idée, c'est de partir du quartier Confluence, de la fin du quartier Confluence, et puis d'aller à Oullins. Donc, grâce au collectif Valve, hein, venir à Lyon à vélo, et ben on peut enfin passer le pont Pasteur pour aller à Oullins, avec un équipement dédié, un équipement correct, une piste cyclable, hein, voilà, qui est séparée des voitures et qui est séparée des piétons. Parce qu'effectivement, le gros point noir, hein, c'est que là, on a la 7, hein, et que la 7 à vélo, bon, on a quand même vu plus pratique et moins dangereux. Voilà, donc là, on va traverser la Saône. Et puis, bon, le seul souci, et qu'on va voir avec le cycliste, hein, qu'on croise dans l'autre sens, là, qui normalement ne devrait pas être là, le seul souci, c'est que pour faire Oullins-Lyon, hein, pour ceux qui veulent aller au travail à Lyon ou se déplacer à Lyon à vélo, et ben d'Oullins-Lyon, c'est pour l'instant pas trop possible, puisque en face, on n'a pas la même chose, malgré les promesses de Lyon et du Grand Lyon. Bon, sinon, pour aller à Oullins, pour l'instant, c'est pas trop mauvais. On a une piste cyclable séparée qui se transforme là en bande cyclable. Et puis après, pour continuer sur Oullins, on a le choix, soit prendre à gauche de l'aquarium et prendre ensuite des petites rues qui vont nous permettre d'être à peu près sécurisés, soit prendre à droite de l'aquarium là sur un sur une voie un peu plus roulante, avec un carrefour là qui est pas très très agréable non plus à traverser, hein, voilà.